Bonjour et bienvenue au tournoi de Noël de Motus. Nous accueillons avec grand plaisir quatre candidats pour cette nouvelle émission, Lionel et Michel, qui seront opposés à Yarno et Jean-Marc. Et on est ravis d'accueillir notre Père Noël, c'est Thierry Beccaro. Merci beaucoup, merci pour cet accueil. Oh là, j'ai failli. Il manquait plus que les petites clochettes et tout, c'était parfait. Il y a cette ambiance comme ça de Noël avec les sapins, ce décor magnifique, ce tournoi exceptionnel. Voilà, je pèse mes mots parce que là on vit des moments très très forts. Tout ça grâce aux candidats qui sont avec nous. Ce sont des amis, ils font partie de la famille et en plus ils jouent très très bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous présente les candidats du jour. Tout frais, voilà, vraiment bien, ils viennent d'arriver. Donc voilà, je ne voudrais pas vous comparer aux poissons, on n'est quand même pas, on n'est pas à la criée, mais voilà, vous venez d'arriver, Michel, Lionel, vous venez de la région parisienne. Oui. Hein, c'est ça, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel? Moi, je suis comédien humoriste. Et alors, comment ça marche? Racontez-moi un peu. Eh bien, écoutez, moi, je me tourne un petit peu partout en France, voilà. Donc et vous faites quoi, ce type Je fais du café-théâtre, imitation, revue d'actualité, voilà. Ah ouais, ça là, vous n'allez pas y couper, hein, ça, si vous me dites imitation. Bon. Bah, par exemple, ma favorite, c'est celle de Lucchini. Il est hallucinant, il est énorme, vous voyez. La littérature, selon Fabrice Lucchini, qui joue à Motus avec les mots. Ah, c'est génial, hein, c'est bien. Alors, Lionel, maintenant, c'est à vous d'imiter qui vous voulez. Oui, je fais un métier un peu moins fun. Hein. Je suis statisticien, malheureusement. Oh là là. C'est moins rigolo, c'est sûr. Oh là là, ça, c'est gênant. Voilà. C'est énorme. C'est assez... ah, on ne peut même pas dire on le mot. On ne peut pas le dire, en plus. Changer de profession. Non. Changer de métier. D'accord. Qu'on puisse prononcer le nom, tout simplement. En tout cas, merci d'être avec nous. Voilà, c'est un vrai, vrai plaisir. Et puis, on va retrouver Jean-Marc et Yarno. Alors, Yarno, c'est une des figures, figures marquantes de ce jeu. On s'est vu il n'y a pas très, très longtemps, Yarno. Non, c'était fin septembre. Et ça a cartonné. Ça, oui, on a... C'est celui qui joue plus vite que son ombre. Il y avait Lucky Luke, et maintenant, il y a Yarno. Voilà, j'étais obligé de lui dire doucement, doucement. Alors là, je vous dirai doucement, mais il faudra aussi jouer rapidement si vous êtes en super partie. Vous venez d'où, Yarno? À côté de Rouen, un petit village qui s'appelle Eslette. Et vous travaillez? Oui, je suis professeur d'histoire-géographie. Eh bien, ils ont bien de la chance, vos élèves. Jean-Marc, ça va? Moi, ça va très bien. Moi. Vous venez d'où, Jean-Marc? Je viens aussi à côté de Rouen, à Marom. Vous travaillez, vous vous reposez? Ah ben moi, je ne travaille pas, je n'ai pas de métier, je suis retraité. Voilà, donc vous voyez. Je m'occupe de ma femme. Ah, ça c'est magnifique. Vous auriez pu rajouter, c'est du boulot. Ah bah oui. En tout cas, merci beaucoup. On commence tout de suite avec la distribution des grilles, Yarno, Jean-Marc. Celle-ci est pour vous. Votre numéro magique, celui qui vous aidera si vous prenez une boule noire, c'est le 35. Pour vous, Lionel, Michel. Vous me ferez une autre imitation, hein. Ah ouais, c'était bien là, c'était super. Puis Fabrice Lucchini pour parler de Motus, c'était l'idéal. Je voulais vous parler maintenant de l'association pour laquelle nous jouons cette année. Nous jouons pour l'association pour le syndrome d'Asperger ou d'Asperger. Voilà, on peut dire les deux, mais Asperger. C'est une forme d'autisme qui affecte essentiellement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres. Alors, on leur propose, à travers des ateliers, des rencontres, cette association qui se mobilise pour aider, conseiller, écouter les familles qui sont concernées par ce problème et aider surtout les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Je voudrais qu'on les applaudisse très, très fort. Et le jour de la grande finale, France Télévisions et toute l'équipe de Motus auront le plaisir de remettre à la présidente un chèque de 10 000 euros.
Et nous, pour commencer, nous allons avoir le plaisir, l'honneur, et vous aurez l'avantage de recevoir ceci. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Nous cherchons pendant ce tournoi des mots de 9 lettres. Yarno, c'est vous qui commencez. Bonne chance. Voici la lettre. Merci. C. Cauchoise. C-A-U-C-H-O-I-S-E. Cousinant. C-O-U-S-I-N-A-N-T. Croissant. C-R-O-I-2-S-A-N-T. Vous avez droit quand même à un petit carton sur le mot cousinant, Jean-Marc, qui ne doit pas vous empêcher de mélanger. Le 3. Yarno. Le 5. Ça, c'est pas mal du tout pour la prochaine fois, Jean-Marc. À vous de jouer. Vous allez jouer avec la lettre S. Saucisson, S-A-U-C-I-2-S-O-N. Souverain, S-O-U-V-E-R-A-I-N. Soucieuse, S-O-U-C-I-E-U-S-E. Alors, le tirage vous a été plutôt favorable, Jean-Marc, puisque si vous prenez le 11, vous marquez 100 points. Le 53. Yarno. Le 21 en plus. Le 21, le 11. Il y a beaucoup de... Là, je note que pendant ce tournoi, on a beaucoup de boules noires, parce qu'elles veulent participer également. Ce sont les boules de Noël. Oui, alors moi, je les ai refusées dès le début, mais vous avez le droit de... Voilà, si vous voulez les accrocher, il n'y a pas de problème. Alors... Nous jouons cette fois-ci avec Lionel. Bonne chance, Lionel. Voici la lettre P. Pêcherie, P-E-C-H-E-R-I-E-S. Ah oui, j'en parlais tout à l'heure. Poulinant, P-O-U-L-I-N-A-N-T. Arrivage. Du jour. Partition, P-A-R-T-I-T-I-O-N. Parterre, P-A-R-T-E-R-R-E-S. Parachute, P-A-R-A-C-H-U-T-E. Lionel, voulez-vous prendre un numéro, s'il vous plaît ? Pourquoi pas ? Le 32. Michel. Le 20. 100 à 50 pour l'instant, c'est vous qui jouez, Michel, avec la lettre E. Épicerie, E-P-I-C-E-R-I-E-S. Écroulant, E-C-R-O-U-L-A-N-T. Edelweiss, E-D-E-L-W-E-I-2-S. C'est bien, vous n'avez pas été déstabilisé par ce W. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Moi, je l'ai eu à la première ligne. C'est vrai. Il est plus facile à trouver là, sur le plateau de Motus, que tout là-haut, parce qu'il faut aller haut. Pour. Dans les montagnes. Il faut monter très, très haut. Exactement. Bon. Belle plante, qu'on appelle aussi les immortels. Elle en sait des choses, hein, magnifiques. Merci, Myriam. Qui va mélanger ? Lionel ? Allez-y. Oui. Eh oui. Ah, le 6. Ah, ça vous donne un sacré avantage. Oui, allez-y, Michel. Eh oui.
56. Ça, des mélanges comme ça, on en rêve. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. Lionel, nous cherchons un mot commençant par la lettre R. Rouillant, R-O-U-I-2-L-A-N-T. Romery, R-H-U-M-E-R-I-E-S. Rafistolé, R-A-F-I-S-T-O-L-E. Routinier, R-O-U-T-I-N-I-E-R. Reddition, R-E-2-D-I-T-I-O-N. Réédition, R-E-E-D-I-T-I-O-N. Vous avez 50 points d'avance et vous avez le numéro magique. C'est ça le plus important pour l'instant. Allez-y, Lionel. Alors, le 36 rapporte 100 points, Michel. Ah. Oh. Oui, enfin, c'est quand même servir. Michel qui il vous a fait « Oh là, Lionel, on a le numéro magique !» C'est à vous de jouer, Lionel. Voici la lettre M. Mouillant, M-O-U-I-2-L-A-N-T. Manganèse, M-A-N-G-A-N-E-S-E. Manouche, M-A-N-O-U-C-H-E-S. Mangouste, M-A-N-G-O-U-S-T-E. Marocain, M-A-R-O-Q-U-I-N-S. Attention, Yarno, la lettre bonus, elle arrive. C'est la lettre E. Manœuvre, M-A-N-O-E-U-V-R-E. Vous êtes à égalité, 150 à 150. Yarno, ouais. Le 11 rapporte 100 points, le 21 aussi. Non. J'aimerais-tu avec lui, moi. Ça, c'est terrible. Ah bah oui, là. C'est terrible. C'est terrible parce que vous pouvez être un excellent candidat. Il y a toujours la partie hasard qui peut poser problème. Ah, Yarno, vous êtes gentil, vous gardez le sourire. Bah, on est là pour, on est là pour jouer, pour le plaisir. En fait. Si vous avez les trois, vous les installez voilà. Dans le sapin. Hein. Est-ce que je pourrais repartir avec le sapin aussi? Ça, on va faut voir avec l'équipe. D'accord. On en a encore besoin. Hein. Ah, ok. Allez, nous continuons, Lionel, avec la lettre D. Douillant, D-O-U-I-2-L-A-N-T. Dissolu, D-I-2-S-O-L-U-E-S. Draperie, D-R-A-P-E-R-I-E-S. Dinosaure, D-I-N-O-S-A-U-R-E. Désespéré, D-E-2-Z... Ah. C'était désespéré, là. Attention, Yarno. Attention, la lettre bonus, la voici. Le E. Descendre, D-E-S-C-E-N-D-R-E. Jean-Marc, on va laisser Yarno reposer un peu. Allez-y, Jean-Marc. Il met la pression, là. Le 51. Bon, vous allez dire que j'insiste, mais le 11 et le 21 rapportent 100 points. Et la boule noire. Et la boule noire en étrange. Ça, j'adore, ça. 35. Yes. Ah, c'est bien. Là, il arrive bien, là.
Là, il arrive au bon moment, le 35. Oui, n'est-ce pas, Myriam ? Moi aussi, j'arrive au bon moment. C'est l'heure du dernier mot. Déjà ? Mais c'est bien, ça fait toujours son petit effet. Voilà. Déjà ? C'est pour Jean-Marc, le dernier mot. Vous avez 50 points d'avance, c'est le mot qui rapporte 100 points. Allons-y, Jean-Marc. Boulevard, B-O-U-V-E-L-A-R-D. Ah, t'as dit boulevard ! T'as dit boulevard ! Oh là là, je suis bête. Je pensais à Philippe Bouvard. Ah là 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 là. Oh, le cadeau, ah, le cadeau. Le ouais, cadeau pour Lionel et Michel. La lettre bonus, la voici. Bouillant, B-O-U-I-2-L-A-N-T. Bourrache, B-O-U-2-R-A-C-H-E. Bourrique, B-O-U-2-R-I-Q-E. Bergerie, B-E-R-G-E-R-I-E-S. Bourgeois, B-O-U-R-G-E-O-I-S. Et voilà, et cette fois-ci, c'est Lionel et Michel qui gagnent et qu'on a applaudi très très fort. Yarnaud s'est bien battu. Deux boules noires, un numéro magique, et ça n'a pas suffi. Cette petite erreur, ben voilà, elle vous coûte cher. Non, mais en tout cas, on amusé, c'était le principal. On a été ravis, voilà. Vraiment très très content de jouer avec vous. On vous applaudit très très fort. Jean-Marc Yarnaud, bravo. Voici pour vous remercier ceci, regardez. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 euros à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur leur site internet. C'est quand même incroyable parce qu'on a beau être le meilleur candidat de tous les candidats. Si on a, non, mais je parle pour tout le monde. Si on n'a pas un peu de chance, vous perdez la main et puis voilà. Mais c'est le jeu, c'est aussi ce qui fait le charme de Motus. Bon, ben en tout cas, merci Yarnaud, merci Jean-Marc. Évitez pour l'instant les Champs-Élysées. Les boulevards. Tout, voilà. Prenez les petites rues. Je vais prendre le train. Voilà, tranquille. Allez, on va passer à la super partie. Et dans un instant, bon, on va retrouver Michel et Lionel. Michel nous donnera son impression sur cette première partie. Vous allez voir. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@francetv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le jeudi 11 janvier à Nice, le 12 à Toulon et enfin le 13 du côté de Marseille. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv rubrique Motus. Nous sommes avec Lionel et Michel. Bon, premières impressions sur cette première partie ? Ben, pas mal du tout, je crois, non ? Non, il y en a un qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et là, c'est pas mal, ouais, ouais. Attention, c'est pas fini. Michel, comédien, imitateur. Lionel, on va le laisser tranquille. Essayez de le redire ? Il travaille dans les statistiques. Voilà. Vous avez, vous devez trouver 10 mots de 9 lettres. Je crois que les plus rapides ont mis 3 minutes et 37 secondes pour trouver 10 mots. Oui. Ceux d'après ont mis 3 minutes et 40 secondes. Enfin voilà, essayez de vous glisser. Voilà, dans les interstices. Okay. Pas facile à dire. Hein. Non, allez, on y va, bonne chance. Boulevard, B-O-U-L-E-V-A-R-D. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R. Découvert, D-E-C-O-U-V-E-R-T. Tarentule, T-A-R-E-N-T-U-L-E. Touillant, T-O-U-I-2-L-A-N-T.
Tripris, T-R-I-P-E-R-U-S. Turpitude, T-U-R-P-I-T-U-D-E. Rouillant, R-O-U-I-2-L-A-N-T. Romeri, R-H-U-M-E-R-I-S. Romeri, R-H-U-M-E-R-I-E-S. Ruminant, R-U-M-I-N-A-N-T-S. Renoncule, R-E-N-O-N-C-U-L-E. Cafetière, C-A-F-E-T-I-E-R-E. Auréolant, A-U-R-E-O-L-A-N-T. Archerie, A-R-C-H-E-R-I-E-S. Armistice, A-R-M-I-S-T-I-C-E. Luxurieux, L-U-X-U-R-I-E-U-X. Luxuriant, L-U-X-U-R-I-A-N-T. Souillant, S-O-U-I-2-L-A-N-T. Sécherie, S-E-C-H-E-R-I-E-S. Survenu, S-U-R-V-E-N-U-E-S. Surprise, S-U-R-P-R-I-S-E-S. Supporter, S-U-D-P-O-R-T-E-R. Surcontre, S-U-R-C-O-N-T-R-E. Ah non. Véritable, V-E-R-I-T-A-B-L-E. Vacherie, V-A-C-H-E-R-I-E-S. Veloutant, V-E-L-O-U-T-A-N-T. Vivifiant, V-I-V-I-F-I-A-N-T. Voisinant, V-O-I-S-I-N-A-N-T. Poulinant, P-O-U-L-I-N-A-N-T. Plaquette, P-L-A-Q-U-E-2-T-E. Mouillant, M-O-U-I-2-L-A-N-T. Mercerie, M-E-R-C-E-R-I-E-S. Meilleur, M-E-I-2-L-E-U-R-S. Mémorable, M-E-M-O-R-A-B-L-E. Mégalith, c'était Mégalith. Ouf. Mégalith. C'était bien Mégalith. Bon, allez, on vous applaudit très fort. Il y a eu avant surnombre et après le c'est mot ça, surnombre. Voilà. Et après, c'est vrai, il y avait un c'est clair. Peu, oui. Le moral était en berne. Voilà. Oui, allez, faut. Un cadeau pour vous remercier d'être venu. Regardez. Partez pour un week-end à l'hôtel-restaurant Le Bellevue. Entre Deauville et Honfleur, vous profiterez de cette villa de charme et de son environnement face à la mer.
je précise quand même, vous avez trouvé 8 mots, vous êtes toujours en course. Hein. Non, ne vous avisez pas de partir, on aura peut-être besoin de vous. Hein. On n'est pas très voilà, très et on aura bon. Besoin de vous également parce que vous êtes là tous les jours pour nous suivre. Et c'est un vrai, vrai plaisir. Passez une excellente journée, à la prochaine fois.